Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre en direct pour cet événement et cette soirée exceptionnelle où nous avons demandé et invité une personne très spéciale qui a bien voulu accepter notre invitation pour venir nous parler de ce thème très important, hélas, trop important, trop présent dans nos vies, le suicide à la lumière du spiritisme. Cette personne très spéciale dirige un centre spirit depuis quelques années en Vendée et a tout notamment une affection tout particulière pour la jeunesse et a développé des activités autour de ces livres pour les jeunes et notamment produit depuis quelque temps déjà une petite lettre pour adresser aux enfants, adressée donc aux parents et aux enfants. Mais je vous laisse découvrir Christine Limongi ce soir, notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité et de me permettre de partager ce temps ensemble donc sur ce sujet si grave, si sérieux qu'est le suicide. On va essayer d'aborder voilà, des chiffres, mais aussi voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a la chance de pouvoir faire nous en tant que spirit et qu'est-ce qu'on a la chance de pouvoir partager pour pouvoir aider. Pour pouvoir soulager, aider cette souffrance qui mène au suicide. Donc, comme tu le disais très brièvement, j'anime, pardon, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, même presque 14 ans, avec mon mari Guy, un centre d'études spirit en Vendée. Voilà. Oui. Effectivement, j'ai un petit faible pour tout ce qui est travail et ouverture vers la jeunesse. Et les guides spirituels nous ont demandé de créer, il y a déjà quasiment 5 ans, un petit feuillet à destination des enfants, donc pour un moment d'échange entre parents et enfants, avec voilà, des thèmes spirituels bien sûr et quelques activités. D'accord. Donc là, je passe l'adresse du site internet pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et accéder à ce contenu dont tu parles, Oui, tout à fait. Ce contenu est toujours. et Pardon. peut-être même vous contacter. Oui. Et ce contenu est à disposition, effectivement, et tout à fait gratuit pour toute personne qui serait intéressée, bien entendu. D'accord. Donc, notez bien l'adresse du centre. Je le passerai, bien sûr, Merci. à plusieurs reprises. Vous avez la possibilité aussi de retrouver toutes ces informations dans la description de cet événement. Donc, vous pouvez aussi retrouver le programme d'activité de la Maison du Spiritisme. Et j'espère avoir d'autres personnes, comme ça, d'autres invités qui vont nous rejoindre pour présenter des thèmes spirit ou à la lumière du spiritisme. Voilà. Donc ce soir, le thème, c'est donc le suicide, un thème qui est très important, trop important du fait que ça touche énormément de personnes. Mais avant de commencer à traiter ce thème, ce sujet, on va prendre le temps d'élever nos pensées et de faire une prière tous ensemble pour que nous puissions tout d'abord être ici dans la syntonie et dans l'intention de partager ce moment de façon paisible et puis surtout de pouvoir adresser de belles pensées lumineuses à toutes ces personnes incarnées qui ont des pensées sombres et aussi à tous ceux qui ont franchi le pas et qui se sentent un peu perdus là où ils se trouvent. Donc on va prendre le temps d'élever nos pensées vers Dieu, si vous le voulez bien. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Que ce moment soit lumineux, paisible, régénérant, instructif, et que nous puissions mieux comprendre ce que nous vivons
ce que nous pouvons choisir de vivre et ce que nous pouvons aussi partager avec tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Nous souhaitons adresser des pensées d'apaisement, d'encouragement, des pensées sereines pour tous ceux qui se sentent seuls, tous ceux qui ont parfois pensé à quitter ce monde prématurément. Nous les invitons à reconsidérer ces pensées et à regarder aujourd'hui autour d'eux ceux qui sont présents et qui pourraient être une aide précieuse pour continuer ici le voyage sur Terre, un voyage d'apprentissage de soi en relation avec cette vie et ces événements parfois compliqués à vivre, mais si enrichissant lorsque nous savons les accepter et les vivre avec ce regard qui nous mène au loin vers cette destination finale de paix, de fraternité, d'amour, d'entraide, un monde où le bonheur est plus présent. Pour tous ces frères ici présents et pour tous ceux qui se sont vus revenir à la patrie de l'esprit, que chacun puisse s'apaiser et retrouver des idées sereines, édifiantes, qui permettent de retrouver son chemin, un chemin de progrès, de compréhension et de paix. Que l'amour soit dans nos cœurs, toujours, de plus en plus fort. Ainsi soit-il. Alors, donc, nous avons pris le temps de nous retrouver ici pour partager ce moment. Je souhaite vous rappeler que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez à tout moment réagir par email, enfin par écrit plutôt, sur le chat et poser vos questions si jamais vous avez des questions à poser ou tout simplement mettre un commentaire, une réflexion, dire ce que vous avez à dire parce que c'est important de l'exprimer. Et nous prendrons un moment après cette présentation faite par Christine pour répondre à vos questions, si Christine le veut bien, bien sûr. Bien sûr. Et je vais arrêter de parler, je vais te passer le relais. Voilà, je te laisse tout de suite la possibilité de présenter donc le sujet de ce soir. Je te passe le relais. Merci beaucoup. Oui. On va aborder ce sujet alors en plusieurs étapes. Des chiffres, d'abord pour prendre un peu conscience de ce que représente le suicide en France et dans le monde. Et puis on va dérouler un petit peu par rapport à l'approche, les causes, et puis les solutions, les aides, etc. Et surtout à la lumière du spiritisme. Donc on va commencer par tout d'abord des chiffres, hein, dans un premier temps, donc sur le premier slide, les chiffres sont édifiants. On a un rapport de l'OMS donc, qui indique que dans le monde, c'est 800 000 personnes par an, hein, donc c'est un mort toutes les 40 secondes. Les tentatives de suicide sont encore plus importantes, c'est une toutes les 3 secondes. Et en France, c'est 9 000 personnes par an, ça veut dire 25 personnes par jour. C'est extrêmement important. C'est la première cause de mortalité des adolescents et des adultes de moins de 35 ans. Et bien que le taux de suicide pour les 15-24 ans soit relativement faible, hein, c'est une tranche d'âge qui est relativement faible par rapport aux autres tranches d'âge, il n'en reste pas moins que c'est quand même la deuxième cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Alors pour avoir un peu une idée,
pour se faire une idée de l'importance, on va le comparer effectivement aux accidentés morts par accident de la route. 2022, c'est 3 550 morts. Ça veut dire, c'est pas négligeable non plus, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est un tiers par rapport aux 9 000 personnes qui décèdent en France par suicide. Donc 3 fois plus de suicidés. Pour autant, on ne parle pas 3 fois plus du suicide en France qu'on ne parle des accidents de la route. Donc on voit bien là ce décalage. 75% des suicides globalement dans le monde sont dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors les taux les plus élevés, on les retrouve sur l'Inde, la Chine. Hein, à eux seuls, ils font 20% pratiquement des montants, donc c'est ce qui est très important. Après, on a des taux aussi très importants, USA, Russie, Japon, Corée du Sud, Pakistan et enfin le Brésil. Donc voilà, voilà pour une vue globale. On va affiner un petit peu ces chiffres avec le slide suivant. En France, donc, on va avoir un taux de 13,4 pour 100 000 habitants. Les chiffres, ces pourcentages sont calculés sur 100 000 habitants. Le niveau de l'Europe est en moyenne à 11,3, c'est-à-dire qu'on, voilà, malheureusement, c'est plus fort encore en France que sur la moyenne de l'Europe, sachant que c'est 2 fois plus qu'en Italie. En Italie, c'est à peu près 7 pour 100 000 habitants, ou en Espagne, 7,7 pour 100 000 habitants. Donc des taux bien moindres, qui restent toujours trop importants, mais bien moindres dans ces pays-là. Alors sur ce document qui est fourni par l'Union nationale de prévention du suicide, hein, ce sont les chiffres de septembre 2022. Alors on retrouve donc les 9 000 personnes suicidées par an. Ils ont les mêmes sources en fait d'informations. Il n'y en a pas énormément. On va y revenir tout à l'heure, mais on commence à voir un progrès sur l'information, ce qui est déjà une bonne chose. On voit que le plus grand nombre de suicides concerne les hommes. 3 fois plus d'hommes qui se suicident que les femmes, beaucoup plus de tentatives par contre du côté des femmes. Le plus grand nombre de suicides se situe dans la tranche des 45-54 ans. On verra aussi pourquoi, quelles en sont les raisons. Et ce qui est assez impressionnant, c'est le taux de suicide chez les plus de 75 ans. Ce taux est doublé. Il est même, si on regarde un rapport de 2013, donc qui est un petit peu plus ancien, ce taux passe à 3 fois plus élevé pour les 85 ans que pour les 25 ans. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant, assez important. La première cause, en fait, c'est l'invalidité, hein, pour les personnes âgées, ne plus pouvoir faire les choses tout seul. Ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les personnes et qui génère une grande souffrance. La deuxième cause, c'est la perte d'un être cher. Hein, quand les personnes ont vécu 50 ou 60 ans avec la même personne et que l'autre part, celui qui reste le trouve extrêmement difficile. Sur cette diapo, on voit également les méthodes, hein, les principales méthodes de suicide en France. Alors, pendaison et arme à feu, ça, c'est plutôt des techniques masculines, ingestion des médicaments ou de pesticides. Alors, pour les médicaments, c'est plutôt une méthode féminine. L'ingestion de pesticides, c'est plus variable en fait, c'est moins stable. Et voilà les méthodes qui sont malheureusement le plus souvent utilisé. Alors, on va aborder dans le slide suivant un petit peu les différences. Il faut voir aussi que quand une personne se suicide ou tente de se suicider, c'est en moyenne 10 personnes qui sont concernées. Donc, sur cette diapositive, on voit effectivement une personne qui suicide ou tente de se suicider, c'est 10 personnes qui sont impactées en moyenne. Donc, si on prend les chiffres avec les tentatives de suicide, hein, qui étaient encore plus nombreuses, 20 fois plus de tentatives de suicide, on se trouve avec 200 000 tentatives par an. Ce qui fait, si on étend ça aux personnes impactées en France, on va se retrouver sur un chiffre aux alentours de 2 millions de personnes impactées par an par le suicide. Et certaines mêmes études avancent jusqu'à 2 millions 6, ce qui est énorme. Alors, il y a en plus, on a quelques chiffres supplémentaires plus récents. En 2020, c'est 4,2% des personnes âgées de 18 à 85 ans qui ont été interrogées en fait dans le cadre du baromètre santé, qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois.
Et on remarque cette même un pic des pensées suicidaires chez les personnes âgées de 18 à 24 ans. Ce pic monte à 7,4%. Alors ça fait beaucoup de chiffres, je sais, mais c'est important de bien cibler, de bien comprendre l'importance du phénomène. Alors cette prévalence des pensées suicidaires chez les jeunes s'explique en grande partie par l'aggravation de leur vulnérabilité durant la pandémie, hein, bien entendu. Ça concerne à la fois les adolescents et les étudiants. On a noté deux fois plus de passages aux urgences pour tentative de suicide qu'avant le Covid, chez les 11-17 ans. Hein, je répète bien, chez les 11-17 ans, pour vous dire à quel point le phénomène est important. Un tiers des étudiants déclarent, eux, avoir souffert d'une forme sévère de dépression ou d'anxiété en début de la crise. Et pour les jeunes filles, on a noté sur les jeunes filles aux alentours de 16 ans, il y a un pic aux alentours de 16 ans, avec un phénomène de croissance donc de suicide de plus de 22% sur l'année 2021. Et il y avait une persistance en fait de ces chiffres sur les débuts de l'année 2022. Donc, vous voyez à quel point c'est important de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. C'est près de 20% des personnes qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires en 2020. Alors, sur ces 20%, pardon, ce sont des personnes qui prennent souvent des antidépresseurs et des anti-anxiolytiques. Donc, c'est là aussi un des phénomènes et qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Alors, ça, c'est le côté chiffres, hein, situation. Qu'est-ce qui se fait maintenant? On va passer au slide suivant, si vous voulez bien, et on va regarder qu'il y a une prise de conscience. Alors, il y a eu effectivement la Journée mondiale de prévention du suicide qui a été instaurée au niveau mondial et qui a été décrétée donc comme étant le 10 septembre. Ça date depuis 2003. Et à cette occasion, la ministre de la Santé, la française, a mis en place l'Observatoire national du suicide, donc le 9 septembre 2013. Donc, il a fallu un petit peu de temps pour accepter ce phénomène et pour mettre des choses en place en France. Il y a eu des moyens mis en œuvre et qui sont toujours en œuvre, hein, un rapport annuel de cet Observatoire national du suicide et une veille stratégique toujours tenue par cet observatoire. On a aussi un portail de prévention du suicide, on a le programme Papa Géno et on a des organismes de statistiques comme Alliance Vita, comme Statista. Alors, je ne vous les ai pas tous énumérés, mais c'est pour vous indiquer qu'il y a une prise de conscience et l'idée de sortir un petit peu de cette honte, de cet état de malaise face au suicide et de le reconnaître comme tel, parce que plus on va pouvoir le reconnaître comme tel, plus on va pouvoir apporter des solutions, être à l'écoute, etc. Donc on va le voir également dans les diapos suicides, dans les diapos suivantes, pardon. Alors sur la prochaine diapo, on va voir le lien donc entre les troubles mentaux, le suicide et les troubles mentaux. Ça, c'est quelque chose qui ressort, hein, et ça plutôt dans les pays à revenus élevés. Mais il y a également de nombreux suicides qui interviennent de manière impulsive dans un moment de crise, face au stress de la vie, les problèmes financiers, une rupture, une maladie, une douleur chronique, voilà. Des choses comme ça, ce qui explique la tranche, rappelez-vous, tout à l'heure, des 45-54 ans. Alors, ce qui est assez intéressant dans ces analyses, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a d'importantes inégalités face au suicide selon les catégories socio-professionnelles. Donc, parmi les professions à risque, on a les exploitants agricoles. Il y a une surmortalité statistique en comparaison de la population générale qui est bien établie. Et également les personnes détenues qui sont particulièrement à risque, ce qui généralement est moins surprenant que pour les exploitants agricoles. Alors, les facteurs de risque, bien sûr, hein, on l'a dit, les conflits, les catastrophes, la violence, la maltraitance, le deuil, le sentiment d'isolement, donc, et une tentative de suicide qui a déjà eu lieu. Généralement, malheureusement, le suicide arrive après. Les groupes les plus confrontés à la discrimination sont aussi des facteurs de risque, hein, les migrants, les réfugiés, les populations autochtones, les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, intersexuées, tous ceux qui se sentent mis à l'écart. Ce sont tout ça des facteurs de risque importants. Alors,
Les signes, hein, qui peuvent alerter dans ces cas-là, c'est la tristesse, le découragement, l'agressivité, le manque d'énergie, ou alors l'hyperactivité, justement, l'isolement, le retard. Tous les changements importants de comportement sont à surveiller, je dirais, peuvent être des alertes. Ça peut être aussi la mise en ordre des affaires personnelles, le don d'objets personnels, l'ennui, plus envie de rien, perte d'estime de soi, des troubles du sommeil, de l'appétit, ou alors des consommations inhabituelles d'alcool, de drogue, voilà, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi l'intérêt marqué pour les armes. Hein, d'un seul coup, la personne se met à s'intéresser aux armes. Notre élément qui peut être un signe, c'est la négligence dans l'apparence physique, dans l'hygiène. Et aussi la rédaction d'une lettre d'adieu, d'un testament. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce sont des signes qui peuvent être vrais, réels et importants. Alors, il y a une autre cause. On a Swelly Kaldaschuber, qui est une auteure qui a écrit une quinzaine de livres, une auteure brésilienne, et qui a écrit un livre notamment en 2001 qui s'appelle Troubles mentaux, une lecture spirite, qui n'existe pas en français. C'est bien dommage, mais qui est assez intéressant. Elle a une approche très approfondie sur le sujet. Et elle dit entre autres, dans leur réalité profonde, les enfants, jeunes, hommes et femmes qui se sont tués, certains étaient sous la domination d'esprits malfaisants et vengeurs. Donc, elle explique un petit peu plus loin, le harcèlement de ces entités se produit seulement parce que nous portons de lourdes charges du passé. Et elle explique encore un peu plus loin, notre infériorité morale est la voie d'accès pour ces interférences négatives. Là aussi, on y reviendra un petit peu plus en détail lorsqu'on va aborder vraiment la partie du spiritisme, de ce que peut apporter le spiritisme justement dans cette aide par rapport à cette problématique. On va aller écouter un petit peu ce que nous dit Carlos Henrique de Arago, donc sur le prochain slide. Il a fait un mémoire en juin 2013 pour obtenir un degré de master en anthropologie. Et il analyse ceci. L'ère des excès et des besoins ne nous satisfait jamais. Nous travaillons sur une fréquence de en l'absence de, et non sur celle des offres infinies autour de nous, ce qui nous apporte souvent un sentiment d'échec existentiel. Et il cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans son mémoire un monsieur qui s'appelle Gilles Lipovetsky, qui est un essayiste français, lui, et qui a fait beaucoup d'études sur vraiment sur l'humanité, la façon de se comporter, et qui a eu donc pour ça un certain nombre d'honneurs, puisqu'il est docteur honoris causa de plusieurs universités, notamment de celle du Québec, de la Suède, du Portugal, du Mexique, de la Colombie et du Brésil. Pas de la Suède, pardon, la Bulgarie. Pardon, autant pour moi. Voilà. Et donc ce monsieur, Gilles Lipovetsky, analyse ceci. Il analyse la société actuelle en tant que société d'hyperconsommation qui offre un bonheur paradoxal. La socialisation individualiste et consumériste est sous la domination de la publicité créatrice d'une nouvelle culture quotidienne basée sur une version mercantile de la vie. La souffrance psychologique, pardon, la difficulté de vivre et les déceptions qui ponctuent les existences individuelles subliment le paradoxe. Dans le contexte d'une société de déception, l'isolement affectif et social renforce le sentiment de solitude associé à l'individualisation des modes de vie, à la rupture des liens collectifs et à la désertion des institutions familiales et religieuses. Et un peu plus loin, il précise, notre époque est imprégnée de cette confusion indescriptible, de cette déception, de cet inconfort et de cette angoisse. Les suicides apparaissent au milieu d'une hyperconsommation liée au démantèlement de toutes les formes de socialisation qui fournissaient auparavant des références aux individus. Donc, il plante bien le décor, malheureusement, que nous vivons, que beaucoup d'entre nous vivent. Et ce n'est pas récent, puisque dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, hein, un chapitre qui est entièrement consacré à cela et qui s'appelle Le suicide et la folie,
Et l'item 16 apporte cette précision. La propagation des idées matérialistes est donc le poison qui inocule chez un grand nombre la pensée du suicide. Et ceux qui s'en font les apôtres assument sur eux une terrible responsabilité. Donc, je vous rappelle, hein, l'ESS 1870, aux alentours à peu près de ces années-là, vous voyez, c'était déjà, on pressentait déjà, les guides avaient déjà annoncé qu'il y avait un risque de ce côté-là. Malheureusement, la période actuelle nous montre que le risque s'est avéré vrai. Alors voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur la situation au niveau des chiffres et de l'état de fait, on va passer au slide suivant et on va apporter encore quelques petites précisions, sachant que tous ces chiffres, on a quand même des réelles difficultés à avoir un état véritable de la situation. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des pays où l'enregistrement de l'état civil est inefficace. Donc, les suicides n'existent pas forcément, ils tombent dans l'oubli. Et dans les pays où l'enregistrement de l'état civil fonctionne correctement, très souvent, les suicides sont classés dans les accidents ou dans d'autres causes de décès. Parce que ça en génère, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais il y a aussi une des raisons qui est celle que ça génère la nécessité d'une procédure complexe avec qui implique différentes autorités, les services de police, etc. Donc c'est toujours très compliqué, donc pour des raisons un peu de facilité, je ne sais pas si on peut appeler ça de la facilité à ce stade-là, finalement on déclare une autre cause. C'est tellement important que certains spécialistes disent que, en fait, la situation est 4 fois inférieure à la réalité. Certains vont parler même jusqu'à 10 fois inférieure à la réalité. Donc, on n'a pas de certitude, évidemment, puisqu'on n'a pas de chiffres réels. Mais voilà, ça donne un petit peu une idée de l'ampleur du phénomène et de la difficulté. Alors, une autre des raisons qui fait qu'on n'a pas des chiffres vraiment très précis, c'est la stigmatisation, les tabous. Le suicide est associé aux troubles mentaux, avec cette peur du trouble mental. Et aucune religion n'admet le suicide. Donc nous y reviendrons parce que c'est quand même intéressant. Ça signifie que dans la conscience collective, la valeur de la vie existe vraiment. Et le fait qu'elle n'appartient pas à l'individu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions. Et puis un autre élément qui est loin d'être neutre, c'est la pénalisation, puisqu'au début du 19e siècle, dans de nombreux pays du monde, il y avait des lois qui sanctionnaient le suicide. Et là, plus récemment, donc sur 192 pays étudiés, il y en a encore 25 qui ont des sanctions spécifiques, plus une dizaine où est carrément pratiqué la charia, donc avec des risques très importants au niveau de la pénalisation. Tous ces éléments font qu'effectivement, nous n'avons pas une situation exacte de la problématique suicide et on voit qu'elle est déjà très importante. Donc maintenant, que faire par rapport à ça? Nous allons passer au slide suivant, si vous voulez. Donc en parler, oui, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que, par exemple, on se souvient en 1747, Goethe a écrit donc un livre qui s'appelle « Les souffrances du jeune Werther » et le héros s'éprend éperdument d'une femme qui les conduit et donc de chagrin il se suicide. Le succès a été retentissant, mais extrêmement lourd de conséquences, en ce sens que pendant les 50 ans qui ont suivi sa publication, la publication de ce livre, et malgré la censure, l'Europe a été frappée par une vague de suicides sans précédent. Donc ça a été quelque chose de catastrophique à ce niveau. Et plus récemment, en 2017, sur Netflix, il y a une série qui s'est appelée, certains d'entre vous s'en rappellent sûrement, la série 13 Reasons Why, dont l'héroïne Anna décide de se donner la mort après avoir enregistré sur 7 cassettes différentes les raisons qui l'ont poussée au suicide. Est-ce que tu peux rappeler le nom de... Oui, 13 reasons why. Pardon. Ok, donc 13 raisons du pourquoi en fait. Voilà. Pourquoi, oui, tout à fait. Ok.
Tout à fait. Et ben là aussi, hein, l'effet malheureusement d'imitation ne s'est pas fait attendre dans les mois qui ont suivi. Donc parler du suicide, oui, mais pas comme une incitation, comme une main tendue vers ceux qui ont besoin d'aide. L'OMS, d'ailleurs, indique de ne pas divulguer des détails, hein, le moins de détails possible sur le passage à l'acte, éviter d'en faire une sorte de suicide mode d'emploi, en fait. Alors, par contre, il y a des témoignages qui sont très intéressants. Celui du docteur Mario Beauregard, qui est quand même chercheur en neurosciences, il est affilié au département de la psychologie de l'Université de l'Arizona. Il est auteur de plus d'une centaine de publications en neurologie, psychologie et psychiatrie, et de différents ouvrages de vulgarisation scientifique. Il a été nommé par le groupe World Media Net comme l'un des 100 pionniers du 21e siècle. Bon. Il est l'un des rares chercheurs qui utilise des méthodes rigoureusement scientifiques pour mieux comprendre les liens entre la spiritualité, le corps et les émotions. Et dans une interview qu'il a donnée en 2018, en fait, il explique ça parce qu'à 19 ans, sans raison apparente, il est tombé très malade. Il est tombé très malade au point de rester alité un peu plus d'un an sans que les médecins trouvent ce qu'il avait. Donc, il s'est dit, ben, il n'y a plus de solution et il a alors pensé au suicide. Et il confie lors de cette interview de mai 2018, j'ai fait l'expérience de ce qu'on peut appeler un endroit ou un camp d'existence où se retrouvaient les gens qui s'étaient suicidés. C'était des gens qui étaient désespérés, c'était gris, c'était quelque chose d'effrayant, c'était pas lumineux du tout, ça faisait réellement très peur. C'était suffisant pour me dissuader complètement de suivre ce chemin-là. Ça a mis fin immédiatement à cette idée. Voilà. Il témoigne donc de ce qu'il a vu. Il explique son guide qui l'a amené faire ce voyage. Je vous rappelle que c'est un chercheur en neurosciences, donc c'est pas un illuminé quelconque, loin s'en faut, et il donne ce témoignage. Voilà. Alors la véritable question, c'est comment en parler, hein, sans prendre le risque d'inciter les gens ou de leur dire ben, c'est une solution. Non, le suicide n'est jamais, jamais une solution. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à faire passer comme information. Il y a une enquête qui a été faite auprès d'une centaine de personnes qui avaient été candidates au suicide. Et cette question leur a été posée, parmi tant d'autres, mais celle-ci est intéressante. Dans les moments de crise, que voudriez-vous entendre? Et là, les personnes ont répondu rien, juste être écoutées. Voilà. Accepter que la personne livre sa souffrance, lui dire qu'elle n'est pas seule, que ce n'est pas une honte d'être dépressive, bipolaire, schizophrène, voilà. Que tout ça se soigne. Et lui suggérer de se donner un petit peu de temps pour que le problème se modifie, pour le voir autrement, pour voilà, aller chercher peut-être d'autres appuis, sans lui donner des espoirs illusoires ou fugaces, mais en lui donnant cette ouverture. Et on a dit tout à l'heure qu'aucune religion n'accepte le suicide, avec une conscience, donc cette sorte de conscience collective du fait que la vie n'appartient pas à l'individu, et que l'individu est dépendant de quelque chose de plus grand. D'ailleurs, c'est reconnu hein, que par les médecins d'une façon très générale qu'avoir une foi, une croyance, quelle qu'elle soit, hein, diminue largement le risque de suicide. Et si vous voulez bien, nous allons voir la diapo suivante. Donc, le spiritisme permet de dire non au suicide, et tout en vraiment en sachant pourquoi. Alors pourquoi? Et tout simplement parce que Spirit, nous avons des témoignages des frères désincarnés qui se sont suicidés. C'est-à-dire qu'ils ont vécu cela et ils viennent se communiquer à de nombreux médiums dans des pays différents. Et donc qui ont recueilli, ou qui recueillent encore d'ailleurs, ces témoignages. Nous avons là ce que Allan Kardec a appelé l'universalité de l'enseignement, donc qui accrédite l'authenticité de ces témoignages. On a un témoignage, bon, c'est un témoignage. On le croit, on ne le croit pas, c'est une chose. Mais quand ces témoignages se reproduisent dans différents endroits, dans différents pays, auprès de différents médiums, avec des personnes qui avaient des conditions sociales, de connaissances intellectuelles,
de croyances ou pas, de croyances différentes, etc. Et que tous rapportent malheureusement la même chose, donc on a une universalité de l'enseignement et on peut s'appuyer sur ce qu'il témoigne. Alors, qu'est-ce qu'il témoigne? C'est ce que nous allons voir au slide suivant. La première chose dont il témoigne, c'est le désappointement, un désappointement immense. Ils ne sont pas morts. Ils souffrent toujours. Et ils souffrent encore plus. Ils souffrent encore plus pour plusieurs raisons. La souffrance est augmentée parce qu'ils ressentent leur suicide en boucle. Celui qui s'est suicidé n'est pas entendu par ses proches. Il se rend compte de la souffrance qu'il a créée. Si il s'est suicidé pour quelqu'un, pour punir quelqu'un ou pour voilà, il se rend compte que l'autre est peut-être indifférent, n'a pas compris, ne s'y intéresse pas. Il reste lié à son corps, c'est-à-dire que sa réserve de fluide animalisé, le fluide vital, pardon, se vide par le cordon fluidique, parce que le cordon fluidique, à ce moment-là, il est cassé. Il ne s'est pas délié comme lors d'une mort naturelle ou d'une mort prévue. Prévue par accident par rapport à la réparation de choses antérieures. Ça, on y reviendra si vous voulez un peu plus tard. Et donc, cette mort-là qui est subite, qui n'est jamais prévue, un suicide n'est jamais, jamais prévu, n'est jamais programmé, mais le liquide, il fuit en fait. Il va finir par. Toute cette réserve va finir par passer par ce cordon fluidique cassé et va déclencher des sensations de brûlure très vives qui se diffusent dans tout le périsprit. Une autre souffrance dont certains témoignent, ce sont les effets de la décomposition du corps que le suicidé ressent. Donc généralement avec une grande angoisse, de l'horreur, de l'angoisse. Et ce n'est jamais une solution, puisque là, le suicidé se rend compte que tout sera recommencé. Donc les difficultés qu'il n'a pas réussi à affronter, auxquelles il a cru pouvoir échapper, augmentaient de toute la souffrance qu'il a infligée aux autres. Et ça va entraîner donc trois phases. La reconstruction de son périsprit, il va devoir recommencer la même épreuve, celle qu'il avait trouvée si difficile, et il va devoir racheter les souffrances qu'il a créées aux autres. Soit par le dévouement auprès de chacun, donc ça peut être long hein, et difficile parce qu'il va falloir rassembler toutes les personnes dans une même vie ou dans plusieurs vies. Et il va revenir dans une famille, certainement, avec une personne à risque suicidaire. Il aura surmonté la même épreuve qui l'a fait flancher autrefois. Nous ne sommes jamais par hasard dans l'environnement d'un suicidé. C'est pour ça que c'est impératif de l'assister autant que possible et de faire, et là aussi on va le voir tout à l'heure, de pouvoir continuer à l'assister même si le suicidé malheureusement est passé à l'acte. Voilà un petit peu sur ce plan-là. On a aussi des informations qui sont très intéressantes que Richard Simonetti nous apporte dans un livre qu'il a écrit, qui est Suicide, ce que vous avez besoin de savoir. Richard Simonetti est aussi un auteur brésilien, mais là on a la chance d'avoir ce livre traduit en français. Et il dit, le temps est le meilleur médicament pour ces malheureux. Il les aide à faire disparaître cette tendance à l'évasion par le suicide. Beaucoup de problèmes qui proviennent du suicide sont à l'origine de réincarnations, d'expiations marquées par des handicaps mentaux ou physiques. En fait, c'est une thérapie qui sert à inhiber pendant quelque temps le libre arbitre hein, du suicidé pour l'empêcher de se tuer une nouvelle fois, pour lui donner la chance justement de comprendre, de réparer et de se donner le temps en fait. Parce que aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces. Mais il faut bien prendre aussi toutes les aides qui sont mises à notre disposition, et les aides spirituelles, telles que la prière, la foi, la compréhension, nous sommes avant tout des esprits et que tout a une fin. Et très souvent, les guides interviennent pour faire échouer les tentatives de suicide. Alors, on a eu différents témoignages, hein. Il y en a un petit peu dans tous les centres spirites. Envoyer par exemple un ami au domicile de celui qui vraiment est là sur le point de se suicider. Faire tomber le verre qui contient le produit qui était destiné
à se suicider. Voilà, il y a tout un tas d'interventions comme ça, des guides. Bon, sinon, le nombre de suicides sera encore beaucoup plus important. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux et grave. Mais en s'appuyant sur l'aide spirituelle, on a vraiment cette aide, elle est réelle. Alors, en tant que spirit, nous allons passer maintenant au slide suivant. En tant que spirit, nous avons tout un temps, et bien sûr pas que les spirits, hein, on est là aussi pour proposer à toute personne qui veut avoir la volonté d'en savoir un peu plus, de mieux comprendre, d'y trouver du réconfort et du secours. Et on a tout ça dans plusieurs livres, notamment l'Évangile selon le spiritisme d'Alain Kardec, hein, le chapitre dont nous avons parlé déjà tout à l'heure, le suicide et la folie. Il est quand même très explicite, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Le Livre des Esprits, toujours d'Alain Kardec, les questions 943-957 sont vraiment très intéressantes. Le ciel et l'enfer, alors le ciel et l'enfer d'Alain Kardec, il a une particularité, puisque dans la deuxième partie, ce sont des témoignages, et notamment le chapitre 5 qui est vraiment consacré aux témoignages de suicidés. Donc vraiment des gens qui en direct sont venus raconter, témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Un autre livre qui est très important, qui est Mémoire d'un suicidé, écrit par Yvonne Pereira. Là aussi, ce sont des livres, tout ça, que nous avons la chance d'avoir en français, donc faut en profiter. Richard Simonetti, dont nous avons déjà parlé, Suicide, ce que vous avez besoin de savoir. Et également, on trouve de nombreuses explications dans la série La vie dans le monde spirituel de l'esprit André Louis, plus connu sous le nom Série Nos Solars, qui est le titre du premier livre de cette série. Donc voilà, je pense que je ne les ai pas tous trouvés, mais j'en ai trouvé quelques-uns dans Nos Solars, Les Messagers, Missionnaires de la Lumière, Les Ouvriers de la Vie Éternelle, Dans le monde supérieur, Entre la Terre et le Ciel et Évolution dans deux mondes. Dans tous ces chapitres, il y a des témoignages de suicidés, il y a des explications, il y a l'aide qui leur est apportée, l'entourage, etc. Il y a énormément d'informations très importantes sur ce sujet. On a, si on a un petit peu de temps, on va pouvoir lire quand même, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. On ne va pas lire tous ces livres, bien entendu, hein, ce soir, ça serait beaucoup trop long, mais je fais une petite sélection, donc si vous voulez qu'on va partager ensemble sur ces questions. Alors notamment dans l'Évangile selon le spiritisme, ouais, juste avant de reprendre justement ces passages de l'Évangile selon le spiritisme qui sont extrêmement importants, extrêmement intéressants, on va prendre Mémoire d'un suicidé d'Yvonne Pereira. Tout le monde ne connaît peut-être pas cet auteur. Elle a écrit une dizaine de livres, elle a fait beaucoup d'articles dans des journaux, et il faut savoir que Mémoire d'un suicidé, c'est une œuvre médiumnique. Donc d'où l'intérêt, c'est vraiment un témoignage d'un suicidé à travers ses différentes vies par rapport justement à ce premier suicide. Donc c'est une œuvre qui est primordiale, extrêmement intéressante. C'est vraiment quelque chose de passionnant à lire, passionnant, instructif et consolateur également. Voilà, je vous le montre à l'écran, c'est un gros pavé, d'accord, mais c'est riche de détails. Absolument, c'est d'une richesse et c'est valable sur tous les points, hein. C'est-à-dire que c'est instructif, c'est intéressant, c'est consolant également, voilà, il y a vraiment, vraiment tout. Et c'est une œuvre médiumique, donc avec énormément de valeur, puisque ce ne sont pas des détails qui ont pu être inventés. Et si vous voulez bien, donc on va partager ensemble ces quelques passages donc, de l'Évangile selon le spiritisme, ce fameux chapitre 5 qui est extrêmement important, lui aussi, le suicide et la folie. Et j'ai pris quelques extraits des items 14, 15, 16 et 17, voilà, pour faire un petit peu le tour, et on va retrouver ce qu'on a échangé tout à l'heure. Donc voilà ce qui est écrit. Le calme et la résignation puisés dans la manière d'envisager la vie terrestre et dans la foi en l'avenir donnent à l'esprit une sérénité qui est le meilleur préservatif contre la folie et le suicide. Celui qui est certain de n'être malheureux qu'un jour et d'être mieux les jours suivants prend aisément patience. Mais qu'est-ce donc que la vie humaine par rapport à l'éternité, sinon bien moins qu'un jour?
Et pour celui qui ne croit pas à l'éternité, qui croit que tout finit en lui avec la vie, s'il est accablé par le chagrin et l'infortune, il n'y voit de terme que dans la mort. N'espérant rien, il trouve tout naturel, très logique même, d'abréger ses misères par le suicide. L'incrédulité, le simple doute sur l'avenir, les idées matérialistes en un mot, sont les plus grands excitants au suicide. Elles donnent la lâcheté morale. Et quand on voit des hommes de science s'appuyer sur l'autorité de leur savoir pour s'efforcer de prouver à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs qu'ils n'ont rien à attendre après la mort, n'est-ce pas les amener à cette conséquence que s'ils sont malheureux, ils n'ont rien de mieux à faire que de se tuer? Avec le spiritisme, le doute n'est plus permis. L'aspect de la vie change. Le croyant sait que la vie se prolonge indéfiniment au-delà de la tombe, mais dans de toutes autres conditions. De là la patience et la résignation qui détournent tout naturellement de la pensée du suicide. De là, en un mot, le courage moral. Le spiritisme nous montre les suicidés eux-mêmes venant rendre compte de leur position malheureuse et prouver que nul ne viole impunément la loi de Dieu qui défend à l'homme d'abréger sa vie. Parmi les suicidés, il en est dont la souffrance pour n'être que temporaire au lieu d'être éternelle n'en est pas moins terrible. Et de nature à donner à réfléchir à quiconque serait tenté de partir d'ici avant l'ordre de Dieu. Le spirit a donc pour contrepoids à la pensée du suicide plusieurs motifs. La certitude d'une vie future dans laquelle il sera d'autant plus heureux qu'il a été malheureux et résigné sur la terre. La certitude qu'en abrégeant sa vie, il arrive juste à un résultat tout autre que celui qu'il espérait. Qu'il s'affranchit d'un mal, mais pour en avoir un pire, un plus long et plus terrible. Qu'il se trompe, s'il croit en se tuant, aller plus vite au ciel. Que le suicide est un obstacle à ce qu'il rejoigne dans l'autre monde les objets de ses affections qu'il espérait y retrouver. D'où la conséquence que le suicide, ne lui donnant que des déceptions, est contre ses propres intérêts. Dans tous les cas, il n'y a pas d'exception. Comme on le dit, il n'y a pas de suicide prévu, programmé. Non, c'est une erreur, il faut absolument s'enlever de l'esprit. Alors, nous allons passer, si vous le voulez bien, au slide suivant. Que pouvons-nous faire? Prier. Nous, en tant qu'incarnés, nous pouvons aider les suicidés, nous pouvons les aider en priant, parce qu'ils reçoivent nos pensées de foi, de courage et d'espoir. Les suicidés qui se sont communiqués, en général, sont heureux quand ils sont accueillis dans les centres spirites parce qu'ils disent vos pensées nous réconfortent, nous rassurent, nous aident, nous redonnent courage. Donc, tous, autant que nous soyons, qui que nous soyons, nous pouvons avoir des pensées d'amour, d'encouragement pour les suicidés. Il faut également penser à prier pour les familles des suicidés, les aider à déculpabiliser, les aider à pardonner à celui qui est, ou à ceux qui les ont quittés si brutalement. Parce qu'en fait, les suicidés ressentent aussi la gêne de leur famille, ressentent aussi la culpabilité qu'ils portent sur eux, le rejet. Donc, on peut aussi, on doit, je crois moralement, aider les familles des suicidés en priant pour elles, pour qu'elles puissent avoir un autre regard sur leur propre suicidé sans jugement. Ce sont des frères qui ont commis une erreur, certes, dont ils devront effectivement subir les conséquences, certes. Mais rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu, rien n'est figé. Tout est dans le progrès, dans l'apprentissage, dans le pardon et dans la compréhension. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce soir sur ce sujet si grave. Qui est loin d'être isolé, mais qui n'est pas sans solution, bien au contraire. Et je crois qu'il y a un dernier slide pour vous remercier, bien sûr, de votre attention. Et s'il y a des questions, je vais tenter d'y répondre de la meilleure façon possible. Alors, un grand merci, Christine, pour ce temps que tu nous as accordé et merci pour ta patience parce que nous avons eu quelques petits contretemps techniques et je sais que ton temps est précieux et que effectivement le sujet est important et il mérite
que l'on prenne du temps. Voilà, mais merci, merci pour ta patience et ta présence, voilà, ce soir. Donc, j'ai réussi à récupérer les interventions des personnes qui étaient présentes avec nous tout à l'heure, bien, notamment Christophe, qui nous a posé une question. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Cela signifie que les femmes sont plus résistantes à la souffrance que les hommes? Ça peut être une des explications, c'est sûrement pas la seule. Les femmes, il y a plus de tentatives, effectivement, et plus d'appels au secours. On en reste à l'appel au secours, enfin on n'en reste pas toujours malheureusement à l'appel au secours, mais il y a beaucoup plus d'appels au secours. Les hommes confrontés à une difficulté, on est aussi dans des civilisations où l'homme ne doit pas se plaindre, ne doit pas parler, ne doit pas forcément pleurer, ne doit pas demander de l'aide. Et je pense que ça, c'est aussi malheureusement une des raisons qui fait qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, donc il passe à l'acte. Tout au moins, c'est ce qu'il pense et ce qu'il croit. Les femmes ont aussi souvent la responsabilité, la charge de la maternité. Une femme, elle reste, pour la plupart, elle reste femme et mère toute sa vie. Et il y a aussi cette responsabilité par rapport à des enfants. On peut retrouver peut-être plus souvent chez des femmes que chez les hommes. Il y a sûrement tout un tas d'autres raisons, après, en fonction des spécificités locales, régionales, voire de pays. Un autre élément, où je crois, qui rentre en ligne de compte pour le fait que ce soit les hommes qui se suicident davantage, notamment sur cette tranche d'âge, on revient sur cette tranche d'âge, 45-54 ans, où là, on a des suicides par rapport à des problèmes financiers ou à des problèmes de situation sociale, où l'homme semble encore porter, malheureusement, tout seul sur les épaules, la responsabilité sociale de la famille. Et donc, quand il ne peut plus y faire face parce qu'il perd son travail, parce qu'il a été accidenté, parce que, etc., il ne pense trouver de solution que dans le suicide. Ça peut être aussi un élément, mais il y en a certainement d'autres. Oui. Après, chaque cas, malheureusement, présente des spécificités bien, bien particulières. Est-ce que je réponds à la question de Christophe ? Très bien. Alors, je ne sais pas si Christophe est en ligne en ce moment avec nous. Si c'est le cas, qu'il nous fasse un petit coucou. On a perdu beaucoup de personnes qui nous suivaient à cause de cette interruption involontaire technique. Je n'ai pas d'autres questions, en tout cas celles qui ont été posées sur le chat précédent. Est-ce que pour les personnes qui sont avec nous ici, je vais leur donner la parole? Voilà, j'ouvre les micros, donc si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire en direct ici, voilà. Est-ce que vous souhaitez intervenir et poser votre question à Christine? Si c'est le cas, vous avez juste à ouvrir votre micro et à poser la question. Voilà, je vois que d'autres personnes nous rejoignent en direct. Donc, nous venons de clôturer la présentation et nous venons de répondre à une première question. Donc, si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez faire part en direct, posez cela via le chat et on prendra le temps de lire les questions et puis de chercher à vous répondre en fonction de ce qu'on sait, bien sûr, en fonction de nos possibilités. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir ici? Alors, oui? Non? Personne? Ok. Très bien. J'aimerais peut-être qu'on puisse revenir sur certaines informations que tu as données ce soir, parce qu'il y en a énormément, beaucoup, beaucoup d'informations. Et peut-être
mettre en avant quelques aspects, si tu veux bien, si tu as encore quelques instants à nous accorder. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a l'aspect environnemental hein, que tu soulignes, qui conduit à ce passage à l'acte. Oui. Il y a l'aspect de l'éducation. Hein. Plus on a d'informations sur le sujet, peut-être qu'on réfléchit un petit peu plus au passage à l'acte. Est-ce que tu veux revenir sur ces aspects-là et peut-être rajouter quelques idées là-dessus? Oui, tout à fait. On peut effectivement, quelque chose qui est extrêmement important, on se rend compte que le suicide reste encore un sujet tabou, hein, comme si c'était quelque chose de honteux, comme si c'était quelque chose de contagieux, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, effectivement, mais on reste avec une sorte de non-dit. Et je crois qu'on a vraiment ce devoir, quelque part, de le reconnaître. Effectivement, c'est grave, c'est sérieux. Nous, spirites, savons que ce n'est pas quelque chose à faire, puisque nous avons de nombreux témoignages d'esprits suicidés qui ne sont pas dans de bonnes conditions. J'ai jamais entendu parler d'un suicidé heureux. Ça, c'est pas possible. Ils le seront plus tard, hein, mais ils ont encore un certain nombre de réparations et de choses à apprendre et à comprendre. C'est pas le suicide qui les a amenés au bonheur, ça c'est une évidence. Et donc je crois qu'il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit. Quand on entend parler de quelqu'un qui est en difficulté ou autre, qui a des pensées suicidaires, ne pas se cacher, ne pas que ce soit la famille ou ne pas faire semblant de voir ou avoir peur. Hein, s'agit pas de juger qui que ce soit, mais vraiment d'aller vers cette écoute, parce que plus on va s'ouvrir à ça. Alors, en tant que spirit, en plus, nous savons que nous avons toujours l'aide de nos guides spirituels. Et ils sont vraiment extrêmement présents dans des cas comme ça, parce que c'est une faute sérieuse, et c'est une faute qui va demander du temps et des souffrances pour être réparée. Donc les guides, vraiment, ils déploient des trésors de bonté et d'imagination pour pouvoir nous aider. Donc, quand on va être confronté à quelqu'un dont on sait, ou voilà, qui éventuellement est pas bien, on peut passer à l'acte, etc. On va pouvoir lui parler, l'écouter avec l'aide de notre guide. Et déjà, ça ne va plus avoir du tout la même couleur parce qu'à ce moment-là, le guide va se servir de nous pour apporter à la personne ce dont elle a besoin, ce qu'elle a besoin d'entendre, ce qu'elle est capable d'entendre en fonction de son propre barème de valeur, oui. De là où elle en est en fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est une première chose. J'aimerais témoigner de quelque chose qu'on a vécu par rapport à l'intervention des guides. Mon mari dit, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer sur ce coup-là, mais c'est lui qui a été utilisé par les guides ce jour-là. Et il a reçu un message sur son téléphone un jour, un texto, « Je vais le faire, ce que je t'ai dit hier, je vais le faire ». Et sans savoir, numéro inconnu, pas savoir. Alors, il s'est relié à son guide et le guide lui a donné l'intuition de rappeler ce numéro. Et donc, il a rappelé ce numéro et s'en est suivi plus d'une heure de conversation avec un monsieur qui a fait effectivement l'intention de se suicider. Et après une heure de discussion avec Guy, ce monsieur était tellement chamboulé en fait par les nouvelles informations que Guy lui avait apportées. Oui. Alors il s'est passé par plusieurs phases, hein. Le monsieur à un moment donné lui a dit « mais qu'est-ce que vous en avez à faire de moi, fichez-moi la paix, et là je reste poli ». Mais voilà, il s'est montré un petit peu plus agressif que ça, et Guy lui a dit « mais moi j'en sais rien, j'ai votre numéro, votre mot là sur mon portable, je vous appelle, j'en sais rien, moi je partage ce que je crois, après vous en faites ce que vous voulez, moi je… » voilà. Et donc c'est en suivi comme ça une conversation qui a fini par apporter un éclairage à ce monsieur. Il était tellement content qu'il était quasiment prêt à faire 150 km en mobylette, puisqu'il n'avait pas de voiture, pour venir rencontrer Guy et le remercier. Ah oui. Donc, voilà. Et par le plus grand des hasards, hein, merci les guides, ce numéro est tombé sur… Alors, il fallait trouver quelqu'un qui ait ces informations, qui ait le temps de rappeler le numéro, etc. Les guides organisent tout ça. Donc, voilà. Je trouve que c'est un petit message d'espoir. Voilà, si quelque chose… c'est un beau message d'espoir, c'est pas un petit message, c'est un très beau message d'espoir, oui.
C'est vraiment voilà, le fait d'aborder. Et puis quand il y a un suicide et qu'on sait voilà, qu'il y a un suicide, ben, c'est rassurer la famille. Alors si on peut en parler directement, très bien. Si on ne peut pas, on peut toujours le faire par la prière, par la pensée. Hein. Aller parler aux personnes en esprit, les rassurer, les apaiser. Prier aussi pour cet esprit qui est parti de cette façon-là. Lui rappeler que voilà, rien n'est irréparable. Il suffit ben, voilà, de se remettre en route comme on peut avec ce qu'on a compris. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile ou tout au moins moins difficile pour les suicidés de le faire avec l'aide des prières de la famille ou des personnes qui sont informées de leur départ. Alors, il y a deux éléments, deux choses que j'aimerais partager ici, et puis avoir bien sûr ton retour, ton avis là-dessus. C'est-à-dire que quand on est confronté à ce genre de situation, la plupart d'entre nous, on est comme démunis, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément habitué à parler de ce sujet, et puis on n'est pas forcément toujours conscient des armes pour lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau, hein, une tentative de suicide toutes les 40 secondes, c'est pas rien. Tentative, c'est toutes les 3 secondes. Toutes C'est les 3 secondes, donc un passage à l'acte tous les 40 secondes. Voilà. Donc c'est un fléau de l'humanité. Donc j'aimerais en fait que tu mettes de façon claire et simple cet aspect-là, puisque on n'est pas toujours conscient de comment agir lorsque l'on apprend une telle information. Souvent trop tard déjà. Mais si on est dans la possibilité d'intervenir avant, comme l'exemple et ce témoignage que tu viens de nous donner avec Guy, ça c'est une chose. Donc comment effectivement on peut mettre en lumière cet aspect-là, et tu as déjà donné quelques éléments de réponse. Et puis la deuxième chose, c'est ce que tu as dit au tout début de l'intervention. C'est que un suicide impacte plusieurs personnes. Hein. Tu nous as dit en moyenne 10 personnes. Donc là, il y a une notion importante, peut-être sur l'aspect de communiquer, hein, de prendre le temps de parler et d'apprendre. Je pense que c'est ça, hein, d'apprendre à partager, à communiquer, à parler ouvertement. Est-ce que tu veux bien prendre un petit moment pour revenir sur ces deux Bien, aspects? bien sûr. Alors, quand on parle de l'impact de 10 personnes, ce n'est pas 10 personnes qui sont au courant. Bien C'est un sûr. véritable impact. C'est-à-dire que ces personnes sont ébranlées, sont touchées, sont déstabilisées, parfois elles-mêmes en souffrance, parce que ça peut faire écho, elles aussi, à des difficultés, et pourquoi pas se dire, ben, c'est peut-être une solution. Et le fait de ne pas en parler, le fait de cacher ça, ben oui, finalement, il s'est suicidé ou elle s'est suicidée et il ou elle a résolu son problème. Pourquoi je ne ferais pas pareil? Donc c'est très grave de ne pas en parler, justement. Alors, comme on disait, hein, le rapport de l'OMS, hein, le note bien, il ne s'agit pas de faire un mode d'emploi. Hein, il s'est suicidé comme ci, comme ça, etc. Bien au contraire. Mais voilà, je dirais c'est une erreur, mais qui d'entre nous ne fait pas d'erreur dans son comportement? C'est vrai. Si on parle, voilà, des fois des gens coléreux, des gens qui ont des addictions, des gens qui sont des tyrans domestiques, des gens qui, voilà, je veux dire, on fait un certain nombre d'erreurs, ça fait partie de notre humanité. On essaye d'en faire de moins en moins quand on en a conscience et quand on le veut, mais voilà. Et le suicide, ben, c'est juste une de ces erreurs. C'est ni plus ni moins. Je crois qu'il faut arriver à vraiment dédiaboliser, enlever tous ces tabous sur le suicide. C'est pas une bonne idée. Et pour pouvoir dire c'est pas une bonne idée, il faut pouvoir en parler. Voilà. C'est vraiment la chose la plus importante.
Il n'y a pas de honte, ça n'est pas un rhume, ça ne se transmet pas comme ça. Faut pas se faire des idées. Alors on remarque que, et c'est vraiment très noté même par les professionnels de santé, c'est que quand les personnes ont une croyance, une foi, quelle qu'elle soit, peu importe, aucune idée, y a aucune, on ne peut pas dire que une foi soit meilleure que l'autre ou autre. À partir du moment où il y a une foi, une croyance, il y a effectivement beaucoup moins d'idées de suicide chez ces personnes-là. Et pour la raison bien simple, et c'est pour ça aussi que toutes les religions l'interdisent, hein, mais l'interdisent en même temps en la rejetant. C'est-à-dire qu'il Voilà, n'y a pas si longtemps que ça, dans l'Église catholique, par exemple, un suicidé ne pouvait pas être enterré. Donc la famille, surtout, ne disait pas il fallait surtout pas dire. Ça fait aussi partie de ce tabou de cacher, parce que la famille n'avait pas droit à un enterrement parce qu'il était suicidé. Alors, je crois que ça se pratique encore un peu, mais ça a tendance à se perdre, parce que c'est une erreur. S'il était mort d'un gros rhume qu'il n'avait pas soigné, ou d'une overdose, il serait enterré dignement. Pourquoi il ne le serait pas parce qu'il s'est suicidé? C'est une erreur comme les autres. Hein, pas à produire comme toutes les erreurs, mais ça reste une erreur. Donc voilà, il faut avoir aussi cette démarche-là. Et nous, qui avons cette conscience aussi de la présence de nos guides spirituels, qui avons cette conscience, parce que tout le monde a un guide spirituel, qu'on l'appelle guide spirituel, ange gardien, bon esprit, esprit de lumière, peu importe le nom qu'on lui donne, ça n'a pas, ils n'en sont pas, ça, après, ils sont bien au-dessus de ça. Mais en attendant, tout le monde bénéficie de cette aide-là, personnelle. Oui. Et ceux qui en ont, voilà, qui veulent l'expérimenter, et ceux encore en plus forte raison qui en ont conscience, ben quand on se trouve face soit à quelqu'un qui est en difficulté et qui, voilà, qui serait susceptible d'aller sur cette voie-là, soit à une famille qui a dû vivre le suicide d'un de leurs proches ou d'amis ou autre, mais on se met sous la protection et sous la guidance, hein, quelque part, de nos guides, on va pouvoir comme ça avoir la bonne écoute. Juste la parole au moment, hein, il ne s'agit pas de parler beaucoup forcément avec des personnes qui sont dans ces souffrances, les écouter et pouvoir leur donner, voilà, l'élément qui va être pour elles l'élément important, l'élément déclencheur. Parce que nous, malgré tout le savoir qu'on peut avoir sur le sujet, on ne sait pas où en est la personne. On ne sait pas quel est son niveau de compréhension, quel est son niveau de croyance, quel est son niveau de. Les guides, eux, savent ça. Guides, anges gardiens, enfin, je ne vous leur fais pas, hein, mais voilà. Eux, ils savent ça et ils vont nous donner à dire, à avoir l'attitude, la bonne attitude, la bonne parole pour justement aider ces personnes-là. Justement, on est lorsque on est impacté par cette situation, hein, une personne qui passe à l'acte et se ôte la vie, il y a une conséquence à cela, c'est cet impact-là, c'est-à-dire que les personnes qui ont un lien avec le suicidé sont rejetées, elles aussi. On a peur d'aller vers elles, on ne sait pas forcément toujours quoi dire, comment agir ou réagir. Et c'est là où, effectivement, tu mets en avant l'importance d'être présent Être présent. et d'écouter. Oui, et de savoir en parler. Moi, j'ai eu proche de moi des personnes qui sont venues me dire, m'avouer pratiquement, alors qu'ils n'avaient rien fait, qu'il y avait un suicidé dans leur famille. Et alors, c'est quelqu'un, c'est un frère qui a commis une erreur. Point. C'est rien de plus, rien de moins. D'accord, c'est une erreur, il faudra la réparer, c'est tout à fait entendu. Mais ça n'est rien de moins, n'est rien de plus qu'un frère qui a commis une erreur, qui va en subir les conséquences et qui, de toute façon, va pouvoir ensuite poursuivre son évolution vers son bonheur, vers la félicitude qui nous attend tous. Donc, à partir du moment où on a cette conscience-là, on n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Et c'est à nous à détecter. Et si on a cette simplicité quelque part, les guides vont aussi guider vers nous les personnes qui ont ces souffrances-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me parler d'un suicidé de leur famille alors qu'ils n'en avaient parlé à personne. Oui.
parce que justement, les guides les amènent, parce que cette personne a besoin d'en parler. On ne peut pas garder, certains gardent ce genre de secret 20, 30 ans. C'est quelque chose de terrible, c'est une souffrance terrible. Alors c'est une souffrance pour tout le monde, c'est une souffrance pour le suicidé qui sent bien cette souffrance-là, hein, puisque les vibrations, elles existent. Exact. C'est une souffrance pour celui qui n'ose pas en parler, enfin, c'est une souffrance pour tout le monde. Donc on reste figé. La culpabilité, très souvent, malheureusement, dans les familles, il y a ce genre de choses, soit d'accusation, soit de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ben, quoi qu'on n'ait pas fait, oui, il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on fait moins bien. Ça n'explique pas, et ça n'excuse pas, et voilà, ça ne justifie pas un suicide. Je ne veux pas dire que tout le monde est parfait. Je dis qu'on fait les choses. Si on pense être mal conduit, on peut toujours, par la pensée, demander pardon sincèrement du fond du cœur à celui qui a choisi ça, Alors, ce départ-là. Après, il y a aussi pourquoi il m'a fait ça? voilà, c'est ça. Pourquoi il m'a fait ça? C'est ce que j'aimerais. Voilà. L'aspect important, je pense, c'est les pensées que l'on va nourrir envers ceux qui ont été impactés, les amis, la famille, ceux qui sont là et qui vont vivre avec cela. Quel type de pensée nous avons et nous pouvons nourrir afin d'éviter de nourrir cette souffrance? Et puis, comment, tu l'as dit tout à l'heure par la prière, mais quels autres types de pensées nous pouvons adresser au suicidé lui-même? Parce que souvent, il y a cette accusation qui est là, en boucle. Pourquoi? Pourquoi? Et on veut savoir pourquoi, alors que finalement, c'est pas le plus important. C'est fait, hein. Quand on fait une erreur, on va pas être en boucle à culpabiliser et puis à massacrer le fait qu'on ait fait une erreur, mais peut-être y mettre autre chose. Alors qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Dans s'il le te plaît? pourquoi il m'a fait ça, souvent c'est quelque chose, surtout pour les proches, hein, très proches, Oui. pourquoi il m'a fait ça? D'abord, il n'a pas forcément fait ça contre quelqu'un. Très souvent, c'est plus une souffrance interne que de vouloir faire du mal à quelqu'un. C'est rarement, rarement faire du mal à quelqu'un. Ceux qui témoignent, hein, les témoignent souvent, ils se sont trouvés face à une difficulté à laquelle ils n'ont pas trouvé de réponse. Donc que les familles cessent quelque part de se dire pourquoi il m'a fait ça. Ça, je crois que c'est vraiment une question qu'il faut laisser de côté. De toute façon, dans tous les cas, le suicidé ne pourra pas répondre. Il est, lui, dans un tel état, pour l'instant, il a un certain nombre de choses à régler, il ne pourra pas répondre à la question. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est demander à son guide spirituel, voilà, pourquoi j'ai eu ça à vivre? Ce n'est pas Oui, pourquoi il m'a ah fait oui. ça, c'est pourquoi moi j'ai ça à vivre. Voilà. Souvent, j'ai ça à vivre, soit parce que ben, moi-même j'ai été suicidée dans une autre vie et donc j'ai fait souffrir des gens autour de moi, ça peut être ça. Ça peut être aussi parce que ben, j'ai choisi justement d'accompagner des gens dans cette souffrance. Hein, je me suis dit que j'avais la force et que j'allais pouvoir les aider, les accompagner et accompagner surtout ceux qui restent. Oui. Celui qui est parti, ça c'est une chose. Ça sera une autre problématique, mais il y a ceux qui restent. Et peut-être j'ai fait le choix aussi, moi, d'aider ceux qui sont là pour les rassurer, pour les consoler, voilà, pour leur donner la force de vivre et de bien vivre, etc. Donc, plutôt que de poser en boucle la question pourquoi il m'a fait ça ou pourquoi il m'a fait ça, qui n'amènera strictement rien et qui, dans la quasi-totalité des cas, n'est pas justifié, c'est plutôt... Qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quelle est mon position? Et ça, on peut demander ça à son guide. Alors, on n'aura pas peut-être une lettre écrite avec la réponse, mais on aura l'intuition de faire ça. On sera rassuré, on sera, voilà, on aura ce genre de choses. Donc Alors, ça c'est il y un. a le pourquoi il m'a fait ça que l'on peut transformer en pourquoi j'ai à vivre ceci, hein, cela. Et il y a peut-être aussi, comme tu l'as dit, le comment j'ai à vivre cela. Et c'est peut-être plus simple à répondre à ce comment j'ai à vivre maintenant que le pourquoi. Et le pourquoi viendra, dans un deuxième temps. Alors
Le pourquoi, suivant le degré de confiance et d'intimité qu'on a avec son guide, on peut avoir l'intuition, effectivement. L'intuition, c'est parce qu'on a choisi d'être assez fort. Il y avait une probabilité de suicide, non pas une programmation. Attention, ce n'est pas du tout la même Oui. chose, hein. Il y avait une probabilité parce que c'est un esprit qui avait peut-être déjà failli comme ça. Et on a choisi de l'accompagner pour essayer, ben, justement qu'il n'y replonge pas. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, et on a peut-être choisi, face à cette probabilité, d'aider les autres, par contre, de faire en sorte que les autres soient solides et qu'il n'y ait pas cet effet d'identification, hein, de mimétisme, justement, dans l'entourage. Ça peut être ça. Donc, même si on ne l'a pas, je dirais vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, dans une lettre où c'est bien clair, c'est bien écrit, on peut avoir ces intuitions-là. Mais effectivement, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le vis, comment je me redresse, comment je cherche, ben, à en parler, à chercher de l'aide aussi. Ça aussi, c'est plutôt que de se culpabiliser en disant j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ben, plutôt que de rester dans cette souffrance, c'est aller chercher de l'aide. Alors, chercher de l'aide, bon, ça peut être par les lectures, hein, on en a indiqué, on en a parlé de quelques-unes. Et puis, c'est en parler auprès de gens avec qui on peut échanger positivement. C'est-à-dire pas en disant c'est pas bien, t'as pas fait Ouais, ci, t'as pas fait ça. sans jugement, donc. Voilà, sans jugement, jamais. On ne sait pas qui sommes-nous pour juger. Qu'est-ce qu'on connaît? Parce que même si on connaît bien la personne sur toute cette vie, si ça se trouve, elle a eu 300 ou 400 vies avant, on va complètement se planter sur l'aide qu'on va pouvoir apporter. Donc le jugement, jamais. L'écoute, si on peut l'aide, hein, du mieux qu'on peut. Déjà, si on fait ça, ce sera déjà une bonne chose. Et je pense aussi à tous ces jeunes, ces jeunes adultes ou ces jeunes enfants qui partent bien trop tôt. Et pour le parent qui reste ou les parents qui restent, c'est beaucoup de questions, beaucoup de questions. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? C'est une grande souffrance, oui, surtout quand ce sont des jeunes enfants, des jeunes ados, voire des jeunes adultes. Oui. Pour autant, ce sont des âmes. N'oublions jamais que nos enfants, nos jeunes adultes, nos adolescents, sont des âmes à part entière. Sont des âmes qui sont même peut-être plus âgées que nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, loin de là. Mais ce sont des âmes avec leur propre vécu, leurs propres difficultés, leurs propres apprentissages, leurs propres épreuves. Donc, je dirais, il n'y a pas d'autres moyens. Et par contre, je pense qu'en tant que parents, on doit avoir encore plus de cœur à vouloir les aider, encore plus envie à vouloir les aider, puisque c'est l'engagement qu'on a pris en leur donnant la vie. Eh bien, c'est, je dirais, de prier encore plus fort, de prier encore plus souvent, de leur envoyer encore plus de pensées de consolation, de réconfort, de pardon, leur dire qu'on leur pardonne et qu'on souhaite qu'ils arrivent à réparer, à comprendre et à pouvoir continuer sur leur propre chemin d'évolution. Il n'y a pas une méthode particulière pour les parents, mais je pense que en tant que parents, effectivement, on doit avoir encore plus de force au fond du cœur, au fond des tripes, justement pour apporter cette prière et ce soutien à ces enfants, donc à ces frères, hein, ce sont des frères en humanité, qui ont commis une erreur. Alors justement, avec cette présentation que tu nous fais ce soir de ces nombreuses idées, j'aimerais qu'on puisse donner encore un petit peu plus d'outils pour que l'on soit informé et que l'on sache qu'on peut utiliser ces outils. Et ce qui me vient là, en t'écoutant, c'est qu'on cherche toujours à rationaliser ce qui se passe. Hein, par exemple, toutes ces questions qu'on va se poser. Pourquoi? Comment ça se fait? Et pourquoi maintenant? Et pourquoi moi? Pourquoi? Et puis, il y a toute une somme de questions. Et si on se disait que on ne sait pas toujours pourquoi et comment? Et peut-être aussi que
comme finalement dans toutes les autres situations de la vie, il y a cet émotionnel qui prend le dessus, souvent en lien avec une expérience propre, individuelle, personnelle ou même familiale, hein, ça peut être le cas aussi, qui doit être réajusté. Et face à ce réajustement, parce que voilà, la situation se présente, on prend peur, on se pose encore d'autres questions. Est-ce que je pourrais y faire face? Est-ce que j'ai la capacité de? Est-ce que je peux passer outre et réussir à avoir l'objectif escompté? Donc il y a cet émotionnel qui prend le dessus, qui nous paralyse, hein, et puis il y a tellement d'émotions. La peur en est une, la peur de ne pas savoir comment réagir, la peur de ne pas savoir comment en parler, la peur de se montrer tel que l'on est. Et on sait bien que la peur, c'est le manque d'amour, hein, l'absence d'amour qui va figer, qui va bloquer et qui va créer encore plus de vide et Souffrance. d'éloignement et de souffrance par rapport à tous ceux qui sont auprès de nous. On peut être seul, isolé, alors qu'on est au milieu d'une foule, et dans notre famille, ou dans tel ou tel autre milieu social. Est-ce que tu veux bien dire encore quelques mots, et puis je ne vais pas abuser de ta gentillesse? Disons que se poser des questions, c'est bien, jusqu'à un certain point. À trop se poser des questions, à trop vouloir savoir le pourquoi du comment de la chose. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait l'humilité. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Dans cette vie, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour la plupart d'entre nous, mais nous ne nous croisons de toute façon que dans cette vie. D'accord? Là, l'instant présent. Nous ignorons qui nous avons été avant. On peut présager un petit peu de qui nous serons après en fonction de ce que nous faisons. Mais nous ignorons qui nous avons été avant, ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu et même ce que nous avons choisi de travailler, de vivre ici. Donc, quand on prend cette dimension-là, ça nous permet de se dire, voilà, là où je suis, au moment où je suis, je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux dans l'amour, dans la charité, dans la bienveillance, avec humilité. C'est pas plus mal, ça aide. Et point. On peut se poser quelques questions, on peut essayer, voilà, de s'améliorer, mais trop de questions n'amènent pas de réponse. J'ai envie de dire, j'ai envie de reprendre l'exemple que donnait une professionnelle. Nous utilisons pour la plupart d'entre nous l'électricité tous les jours. Nous appuyons sur le bouton pour allumer, nous l'appuyons pour éteindre. Bon. Nous en servons tous les jours, plusieurs fois par jour, et souvent pendant de nombreuses années. Pour autant, pour la plupart d'entre nous là aussi, nous ignorons totalement comment fonctionne une centrale électrique. Et on ne se pose pas la question. Alors pourquoi, sur des problématiques qui sont des problématiques morales, on essaye là par contre d'avoir toujours le pourquoi, 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 pourquoi? Faisons un peu ce parallèle. Voilà, alors c'est un petit peu exagéré, mais justement c'est pour interpeller parce que voilà, nous sommes capables sur la matière, hein, pour des affaires matérielles, d'utiliser, de faire un certain nombre de choses sans même savoir comment ça fonctionne. Mais voilà, on sait que ça fonctionne, pas de souci. Mais lorsqu'il s'agit de questions sentimentales et de questions morales, on a l'impression que si on ne se pose pas des questions tout le temps, 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 on ne résoudra pas le problème. Or, justement, c'est le fait de cette culpabilité, parce que généralement, les questions, pardon, puisqu'elles ne trouvent pas la réponse, engendrent la culpabilité. Hein, c'est un phénomène qui suit. Et donc, la culpabilité, c'est ce qui nous fige, c'est ce qui nous empêche, justement, d'aider, d'être nous, de nous sentir mieux et de pouvoir aider. Donc, réfléchissons peut-être à tout ça, essayons d'avoir peut-être cette vision un peu plus globale, mais pour mieux vivre l'instant présent, dans l'instant, parce que pendant qu'on se pose toutes ces questions, ben on ne vit pas l'instant présent. Et pendant qu'on se demande ce qu'on aurait pu faire, par exemple, pourquoi il m'a fait ça, ou pourquoi je n'ai pas vu, ou pourquoi, ben pendant ce temps-là, on ne voit peut-être pas celui qui est à côté de nous, là, et qui est en train de souffrir de la situation aussi. Et auprès de qui on pourrait être efficace dans l'aide, dans le soutien, dans le réconfort, ben justement en s'épaulant à deux, c'est toujours plus facile.
En fait, cet émotionnel dont je parlais tout à l'heure, qui nous envahit, je pensais notamment à ces personnes qui sont harcelées par d'autres, que ce soit à l'école, par exemple, avec les réseaux sociaux, avec voilà, cette technologie nouvelle, ou que ce soit au travail aussi, parce qu'il y a le cas, ou même dans le foyer, hein, parce qu'il y a cette réalité aussi. Donc cet émotionnel qui prend toute la place, trop de place, on va dire, j'ai l'impression que on reste à un niveau intellectuel pour y faire face, pour vivre cela. Donc, c'est toutes les questions, le pourquoi, le comment, et tout autre type de questions. Donc là, on est dans l'intellectuel. Et tu l'as dit à travers cette présentation ce soir, et si on passait vers cette autre étape, la suivante, qui est la moralité, hein, le cœur. Et si on laissait s'exprimer le cœur? Et si on comprenait qu'on pouvait aussi utiliser notre cœur pour répondre, pour vivre, pour faire vivre, pour apaiser, pour consoler, pour orienter? C'est ce qui me paraît juste évident. C'est-à-dire qu'on passe, effectivement, il y a trois niveaux, hein, le spiritisme nous le fait bien comprendre, hein, on doit développer l'aspect physique. Puis, on pourra enfin développer l'aspect intellectuel. Et une fois que, on est arrivé à un certain niveau, on pourra enfin développer l'aspect moral. Et cette réflexion que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui me fait penser à ce passage de cet intellectuel. Je suis une tête coupée du corps, hein, et que je dois raccorder au reste du corps et au cœur. Et le cœur, comme on le sait, peut-être pas tous, mais c'est le premier organe à être formé lorsque nous naissons. Donc le premier organe, et donc du coup peut-être le plus important, avant même le cerveau. Donc c'est le cœur qui est formé, et ensuite le cerveau. Donc là, nous, on prend ça un petit peu à l'envers, peut-être par habitude aussi, la tête, et on oublie qu'on a un cœur. Et notre société aujourd'hui, elle a peut-être à apprendre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, mais on revient sur la statistique et la constatation des médecins et des scientifiques, hein. Les personnes qui ont une foi, il y a beaucoup moins de tentatives de suicide, mais on le retrouve dans plein d'éléments. Les médecins, donc là, ce sont des données statistiques. Les personnes qui ont une croyance, qui ont une foi, guérissent plus vite que les autres. Il y a moins de dépressifs chez les personnes qui ont une foi que chez la population qui n'a pas de foi. Voilà, peu importe le sujet qu'on prend, ils guérissent plus vite. Ils guérissent, voilà. Voilà. Il y a tout un tas d'éléments où on s'aperçoit qu'il y a vraiment une différence entre les personnes qui ont une foi, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une croyance au fait que nous ne sommes pas que cette matière. Hein, c'est la foi, en fait, ils englobent vraiment toutes sortes de foi. C'est pas la manière, en fait, c'est le fait de considérer, comme tu l'exprimais très justement, que nous ne sommes pas que ce corps physique, nous sommes avant tout un esprit, et ce qui nous relie à l'esprit, ben c'est la foi, la croyance. Il y a quand même autre chose avant, autre chose après, autre chose au-dessus, et que là, nous ne sommes que sur une étape. Et tous ceux qui ont cette croyance-là, alors pas simplement la croyance intellectuelle, en disant oui, j'ai entendu parler de ça. Ça, c'est encore autre chose, mais qui ont cette vraie croyance au cœur, hein, vraiment au cœur, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui, quel que soit le plan de vie sur lequel on se place, avec des études scientifiques, ce n'est pas juste une idée comme ça, vraiment des études des médecins, etc., des études scientifiques, où les personnes vivent mieux dans ces conditions-là. C'est très net. Aujourd'hui, ça, il n'y a plus de doute là-dessus. Et ça me fait penser à finalement, nous sommes venus ici pour éduquer nos pensées, puisque on n'est pas un corps, on n'est pas qu'une émotion, qu'un cerveau, un intellect. On est avant toute chose un esprit qui pense et qui vit grâce
et à travers ses pensées. Dans le livre des Esprits, au tout début, on nous dit « la forme n'est rien, la pensée est tout ». Et la vie de l'esprit, elle est toute pensée, n'est-ce pas? Peut-être que si aujourd'hui on s'est réunis ce soir pour parler de ce thème, on peut laisser ce message. Et si nous prenions le temps d'éduquer nos pensées, hein, ces questionnements que l'on s'adresse à soi, que l'on adresse à l'autre, incarné ou désincarné, hein, celui qui est resté et celui qui est parti, trop tôt, trop vite, etc. Et si on prenait le temps d'éduquer nos pensées, qu'est-ce que tu en penses? Exactement. C'est sûr que ça changerait de beaucoup la face du monde et la vie de beaucoup de personnes. C'est vraiment. Oui, c'est. On est venu pour ça. On est venu pour ça. On a eu, nous, à titre plus personnel, dans le centre, pendant 6 mois, les guides nous ont donné comme message identifiez vos pensées. Et une fois que vous les aurez identifiées, ben, gardez celles qui sont bonnes, qui vous permettent de progresser, et puis débarrassez-vous de toutes les autres. Et vous verrez qu'il y a des ménages à faire. Et pendant 6 mois, on a eu ça en boucle. Alors, je pense qu'on a mis au moins 6 mois pour arriver à bien comprendre ce qu'il voulait nous dire. Mais oui, on est là pour ça, justement, et pour avoir cette simplicité, cette humilité, et qui est une force, en fait. Contrairement à ce que ce monde matérialiste essaye de nous imposer, cette humilité, le fait d'avoir cet amour au cœur et cette simplicité quelque part, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux est pour eux. Je veux dire, il y a une vérité derrière. On peut rire de la façon dont c'est dit, mais il y a une vraie valeur là derrière. Effectivement. Ça, on pourrait continuer longtemps. Je vais pas abuser de ta gentillesse et de ta patience. Merci surtout à toi de m'avoir permis de présenter ce sujet, effectivement, que je trouve très important. Et peut-être pour préciser la pensée, tu saurais nous donner la définition que Kardec donne de la prière, pour préciser, puisque tu as parlé, hein, d'adresser des prières pour soi ou pour nos frères. Est-ce que tu pourrais préciser la définition que nous donne Kardec de ce qu'est une prière? Alors, je ne sais pas si ça va être la définition exacte telle qu'il l'a donnée, mais la prière, c'est juste une pensée. Il faut arrêter de dire des prières, c'est 3 pages, c'est dans ce sens, c'est comme ça, c'est à l'endroit, c'est à l'envers, dans tel sens, voilà. Telle façon, telle position. Non, non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est juste une pensée. C'est une pensée qu'on va émettre, une pensée, mais une pensée qui part du cœur, c'est-à-dire quelque chose, voilà, qu'on va chercher au fond de son cœur, senti, qu'on ressent et qu'on va offrir, soit pour remercier, soit pour demander, soit pour aider, soit pour consoler. Voilà, c'est juste ça. Donc avec ses mots, avec sa façon d'être, peu importe. C'est regarder une fleur et s'émerveiller parce qu'elle est belle, ou répondre au sourire d'un enfant, c'est déjà une prière. Je me rappelle de ces définitions de la foi et puis de la prière, parce que elles se rejoignent finalement. Hein. Je crois que c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, on nous parle de la foi. Il y a la foi humaine, la foi divine. Et la foi, c'est quoi? Parce que souvent, on a une définition... La volonté de vouloir. La foi, c'est la volonté de vouloir. Voilà. Soit matériel, quand on l'applique à des choses matérielles, mais soit spirituel, hein, quand on l'applique à des choses dont de l'esprit, du cœur, mais l'esprit en tant qu'esprit spirituel. Et là, encore une fois, finalement, on parle de pensée. Et on n'associe pas toujours cette notion de foi à la pensée. On nous dit que c'est la volonté de vouloir associée à la certitude d'avoir cette pensée s'accomplir. Donc finalement, d'obtenir ce que l'on veut vraiment, hein, cette volonté de vouloir, et que ça soit ici dans le plan matériel ou dans le plan spirituel. Et puis la prière, c'était, si je me rappelle bien, une pensée dirigée vers un objectif déterminé. Ah oui, exact. Exact. Et du coup, on revient encore une fois à ce qu'on venait juste de dire, éduquons nos pensées.
Et faisons-le. Alors, ce que tu disais est très juste, hein, ça nous a pris un certain temps pour comprendre ce qui nous était demandé. Mais c'est toute la vie qu'il nous faut pour comprendre finalement pourquoi on est là et ce qu'on a à faire ici et ce qui nous est demandé, hein, c'est d'aimer finalement. C'est de faire le tri de nos pensées. On va choisir les meilleures pensées. Et puis, peut-être que ces meilleures pensées sont pas super éclatantes, merveilleuses comme on aimerait qu'elles soient. Eh ben, on va en chercher de nouvelles, plus belles, plus sublimes, et ainsi de suite. Et on arrive toujours à monter, à monter, à monter, parce que la compréhension s'élargit, elle modifie avec le temps, avec les expériences, même les plus difficiles. Et je dirais même, surtout avec les plus difficiles, parce que c'est celles qui nous font grandir le Oui, c'est celles qui plus. nous apprennent, qui nous poussent justement à faire les efforts pour grandir, absolument. Absolument. Bien, alors, une toute dernière fois, est-ce que vous avez des questions sur le chat? Il y a du monde là qui nous a rejoint, et est-ce que vous souhaitez parler? Posez vos questions et puis peut-être laisser encore quelques temps à ceux qui sont là s'ils veulent s'exprimer. Marie nous dit effectivement beaucoup d'infos du cœur. Moi, c'est aussi d'avoir la foi qui fait en sorte que jamais je ne me suiciderai. La foi. Voilà, j'y travaille, je travaille mes pensées. Ok, ben merci Marie pour ce partage. Et puis, est-ce que quelqu'un souhaite prendre encore un petit moment pour nous partager ses pensées? Je ne vois pas là. Sinon, je pense que on a été suffisamment présent et qu'on a pris le temps. C'était censé durer une petite heure, puis bon, avec les aléas. Technique, ça a pris le pas là-dessus. Bien, ben j'espère que nous avons pu donner des informations claires, précises, et plus que des informations, ben des outils hein, aux personnes qui nous ont écoutés ce soir. Si jamais vous qui nous écoutez là, en ce moment, ou qui nous écouterait dans le futur, parce que cette émission est enregistrée et sera disponible. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les ici en commentaire sous cette vidéo. Contactez Christine ou contactez-nous à la Maison du Spiritisme. On prendra le temps de vous écouter et de vous accompagner. Dans cette réflexion que vous avez ou que vous souhaiteriez avoir. Donc, je vais mettre ici, bien sûr, ton site internet pour qu'on puisse, voilà, ça défile, le site internet pour qu'on puisse te retrouver, hein, centrespiritvendéen.free.fr, donc ça, c'est le CESVAC. Centre d'études spirites vendéen Allan Kardec. Et on peut demander Christine, hein, faites un petit mot à Christine, ou à Guy, puisque ce sont les deux qui sont derrière l'écran et qui vous répondent. Et puis si vous êtes en Vendée ou pas loin, ou que vous souhaitez prendre un petit moment pour aller en Vendée, eh bien, peut-être prendre contact avec Christine et Guy. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant qu'on se sépare? Merci, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi d'abord de m'avoir invité et de m'avoir permis cette présentation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, puis à tous ceux ben, qui partageront voilà, ce moment d'essayer d'approfondir un petit peu ce sujet grave, sérieux, mais comme tout, qui peut avoir des solutions, des aides, du soutien, etc. Bien. Eh bien, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cet échange laborieux, je dois le dire. merci beaucoup pour ta patience.
Nous allons prendre un petit moment avant de nous quitter, parce que c'est important, pour prier. Et si tu acceptes, Christine, j'aimerais bien que tu puisses réaliser cette prière de clôture avec tout ton cœur, comme tu sais le faire. D'accord. On va donc se relier à nos guides. Dieu notre Père, puissance d'amour infini, merci de nous avoir permis ce temps d'échange. Qu'il permette à ceux qui en ont besoin de trouver du réconfort, du soutien, de la compréhension, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Bons esprits, anges gardiens, guides spirituels, esprits instructeurs, vous tous qui avez préparé, qui nous avez préparé, qui nous avez accompagnés dans cette présentation, merci de permettre qu'elle puisse atteindre ceux qui en ont besoin pour leur porter le réconfort, le soutien qu'ils demandent ou qu'ils n'osent pas demander, mais dont ils ont besoin. Et là aussi, qu'ils soient incarnés et désincarnés. Nous vous demandons également de pouvoir nous aider tous autant que nous sommes à être plus attentifs les uns aux autres, sans jugement, juste pour l'entraide, pour le réconfort, pour la consolation, pour l'aide à la compréhension, pour l'aide à la résignation quand c'est nécessaire. Merci infiniment à vous tous de tout ce que vous faites en permanence pour chacun de nous, avec un amour total, avec dévouement, avec abnégation. Merci infiniment d'avoir permis ce moment. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir permis cette prière. Merci Christine, très sincèrement, merci. Merci à vous tous qui avez été patients pour que cette émission puisse réexister. Hein. On a fait quelques essais. Je vais prendre le temps d'éditer tout ça et puis de vous mettre tout sur un seul morceau, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour poursuivre tous nos échanges. Je souhaite vraiment que on puisse enfin laisser s'exprimer notre cœur. On va y arriver, on va y arriver. Doucement mais sûrement. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne nuit à tous, ou bonne journée à ceux qui nous regarderont après plus tard. Un grand merci. Au revoir à tous. Merci. Et à très bientôt sur nos réseaux sociaux ou en direct. Si vous êtes en Vendée, prenez contact avec Christine et Guy. Si vous êtes dans la région parisienne, venez nous voir. Et comme ça, on pourra continuer ces échanges ou en avoir d'autres. Voilà. Un grand merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.